m'appelle Mari Carmen Llorca. Je suis espagnole. Ça fait de 1964 que j'ai rentré dans les franciscaines missionnaires de Marie. Et en 1977, à la fin, je suis venue en Afrique. L'unique problème, c'était où commencer la nutrition là. Les besoins étaient là, il y avait beaucoup de besoins de nutrition. J'ai fait une petite enquête dans toute la ville que je connaissais, pas beaucoup de gens, mais un peu. Et tous les gens m'ont conseillé que le meilleur quartier, là où je pourrais être, comme j'ai dit, avec les pauvres, serait Tinza, le meilleur. Avant, il y avait beaucoup des enfants de nutrition sévère. Il y avait des cocharcos. Il y avait vraiment des marasmes. Et grâce à Dieu, et j'étais presque tous les jours à l'hôpital parce qu'on avait des urgences. Mais maintenant, non. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a beaucoup de dénutris modérés. Depuis les premiers jours qu'on a ouvert et qu'on a formé les filles, ils ont commencé à faire des causeries. Et chaque fois que les mamans venaient, c'était, même si vient une femme, à une femme qu'on les fait la causerie. Petit à petit, les dénutritions graves ont disparu, pratiquement. Et c'est parce que les mamans sont conscientes. Et quand elles voient que l'enfant ne va pas bien, que l'enfant commence, il voit que commence à maigrir, il nous l'amène. Les besoins de centre, les besoins plus importants sont des pratiquement. Les besoins quand on a rupture de stock. Et pouvoir remplacer pour une autre chose, c'est un besoin pour ne pas perdre ces enfants-là. Et l'autre besoin, c'est un peu de nourriture.